Bonjour, bonsoir amis internautes. C'est toujours avec même plaisir, même engouement, nous rejoignons pour nous capables partager des informations avec vous. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si c'est pour la première fois vous rejoignez nous inviter au faire ça qu'on y a même inviter famille, amis, abonnés avec channel là. Une façon pour capable aider nous et pas oublier activer petite cloche notification hein. Pour qu'à toujours joindre toute dernière vidéo nous publié yo. Jodi a information nous pote pour c'est concernant Jean-Léopold Dominique. Eh bien, nous pas le faire vivre, nous pas le faire regarder, nous pas le faire entendre. Eh bien, dernier discours Jean-Léopold Dominique. Eh bien, avant yo te rive assassiné li le 3 avril 2000. Eh bien, Jean-Dominique c'était un Haïtien qui presque tout le monde qui t'a vivre dans l'époque li a te connaît et même monde qui fait après fin mourir et bien yo tande parler de lui. OK, Jean-Léopold Dominique d'abord c'était un journaliste et bien qui était dans tête radio Haïti Inter qui était propriétaire radio ça et bien dans radio ça et bien il était gain des émissions et bien qui était rivé touché et bien presque toute couche dans la vie nationale. Jean-Dominique, c'était un agronome tout. Eh bien, il était commencé à étudier agronomie dans le pays d'Haïti. Après, il a poursuivre dans Paris, dans ville Paris, dans le pays de la France. Et après ça, il était retourné en Haïti. Côté, il était commencé à travailler dans Radio Haïti Inter. Après, un petit temps, eh bien, mettre Radio a été offrir pour l'acheter Radio Haïti Inter. Et de là, eh bien, Jean-Dominique te commencé à faire émission en créole et c'est un dans premier monde eh bien qui t'est commencé à parler créole, faire émission en créole pour presque tout le monde, tout paysan eh bien t'es capable de comprendre puisque mon avant yo qui t'est commencé à faire radio c'était français seulement yo t'es qu'on parlait à l'époque c'est pas tout le monde qui t'ait accès pour comprendre et pour tendre nouvelles monde ça yo dans radio tout eh bien Jean-Léopold Dominique, c'était un monde qui était venu avec question révolution ça. Et Jean-Léopold Dominique, c'était un monde qui t'a combattu dictature féroce qui était dans le pays sous régime des Duvalier et à plusieurs reprises eh bien Jean-Dominique t'a trouvé la situation pour être capable exiler. Donc on est après régime dans fin tombé en 1986, il était retourné dans le pays, il était retourné dans la radio et l'étape encore une fois un bien étape défendre moun ki pi bayo moun ki pa capable ça nous relé bien défavorisé yo moun ki marginalisé yo et par la suite yo t'a pral renforcer et bien Jean-Dominique pour l'été aller en exil et l'étape t'a pral retourner en dernière fois en 1994 et depuis là l'étape l'été toujours engagé les bien en défense paysan et bien surtout paysan la Tibonite en sud qui t'a confronté en pile problème dans question plantation du riz dans question canne à sucre OK dans question production clairin et bien Jean-Dominique et bien en pile monde pas trop bien surtout dans classe politique là bien parce qu'il t'a défendre la masse il t'a défendre monde défavorisé yo il en pile parole il t'a parlé qui pas te faire en pile monde bien dans pays là et bien il t'a voir rêver assassiner lui le 3 avril 2000 et jusqu'à présent c'est un monde qui pas jamais joindre justice pas jamais vraiment gain des monde qui puni et bien pour crime odieux ça qui ont été commettre dans la république bien que yo parlé de quelques moun nan crime nan sur le plan matériel qui ont été arrêté mais intellectuellement parlant moun ki te eh bien commandité crime nan eh bien moun sa a toujours été impuni eh bien nous pas perdre temps nous pral faire entendre eh bien yon nan dernier discours Jean-Léopold Dominique te fait avant li mourir côté ou te assassiné le 3 avril 2000 eh bien dans local radio Haïti Inter même que l'a dirigé et il était mouri accompagné de yon gardien li qui c'était Jean-Claude Louis Saint entendez déclaration comment Jean-Dominique dit qu'on a frère Max Chamio paysan yo comment il t'a défendu frère Max Chamio entendez parole qui voulait parler dans assistance là moi monsieur président et m'a répondre question là
Moi-même, son petit businessman, moi, mon petit business, je voulais Radio Haïti, côté, m'a fait essayer de dégager pour me vendre la vie, moi, pour me vendre la vie avec famille, avec employé. Cependant, moi, j'ai toujours pensé que un entrepreneur, un businessman dans le pays d'Haïti, n'est pas capable de soudre aveugle à tout ça qui a passé dans le pays. C'est ça qui fait que le planteur, distillateur, guildivier, les organes devine joindre moi. Il a expliqué mon problème. Yo. Mais réaliser un bagage qui est clair, c'est de voir PAM comme propriétaire d'une station radio qui a bien information par le public là, comme journaliste qui a battu pour le public là, qui a bonne information, c'est de voir comme agronome tout, puisque c'est agronome, pour être capable de recevoir information. Association planteur avec distillateur, te ban mwen son problème qui grave. Lò frè myo, chita nan bureau myo, di m'attention, client pral mouri, même jan sucre la te mouri, même jan café a capable mouri nan pays d'Haïti. Lè sa kèm serè m di woy. Mwen di yo, on va parler pour nous ramasser problème non pour nous comprendre qui problème qui gagne yo dit éthanol faut clair. Premier point. Là ça nous fait 2 3 4 programmes pour faire peuple à connaître qui gravité malin non et c'est un malin qui grave. Parce que ça représentait plus passé 150 000 mounes qui vivent de canne, qui vivent de siwo, qui vivent de rapadou, qui vivent de cléen. 150 000 mounes dans l'état mal cité pays ailleurs. Je dis non, je ne suis pas capable de résister à un problème ça. Je te contre bien. Mwen ta pral pran bâton parce que mwen konnen gen gros intérêt qui te derrière question éthanol là. Mais devoir citoyen haïtien dit il faut nous pousser devant. Nous comprendre bien question ça. Le président dit tout à l'heure gouvernement là pas prendre un problème aujourd'hui et puis la gueule. Lorsqu'un bel un problème dans c'est pour lui venir dans l'autre bout là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'homme là, nous le président, dans gros manifestation, dans gros fête, nous gagnons tentation pour nous dire chef d'État, président, santé pas bon dans les organes. Mango pas bon dans les organes, coco est pas bon dans les organes, là où y en a dévasté nous, c'est vrai. Mais si nous prenons tout le problème en même temps, nous n'avons rien qu'à résoudre. Réaliser une bagaille. Si question éthanol n'a pas résoudre, si éthanol te continue à venir faire faux clair dans le pays d'Haïti, nous tous là, nous tapons un problème. Nous tapons oui. Ok? Et tout problème nous voulons soulever quoi il y a, il est plus grave. Ça veut dire, on prend question production comme nous. On améliore. On prend question cultivio. On améliore production. Cubéo là, il y a un petit connaissance technique. N'a fait pour qu'on produit plus qu'un pour nous même garoté. N'a fait pour guldiv yo produit plus sirop dans yon même installation que nous pas améliorer. Question ça yo on prend yo tap pa tap de façon que nous capable ensemble et c'est deuxième bagage qui est important dans ça me veut dire nous qui
qui fait que me content. Ou radio pas qu'à fonctionner normalement si pas gain deux éléments. Youn, c'est équipement nous qui gain antenne côté ou tant de musique, ou tant d'information, ou tant de documentation. Mais deuxième élément qui est important, il faut population vienne dire comment lier. C'est aller venir ça qui font radio marché. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait comme content. L'homme tendait depuis 2 ans, depuis 3 ans, gagne une parole qui a parlé tout partout, qui passe, qui parlait dans la Tibonite, là. Qui parlait dans le Nord-Est, nous qui parlait dans Jacmel avec le Sud-Est, nous qui a venu parler dans les organes Tigouave, qui parole ça? Parole là, c'est pas moi-même, président d'Haïti, c'est pas le gouvernement qui vient faire pour nous, même Jean Yap dit nous depuis 200 ans, et puis rien va jamais fait. Quoi, il y a c'est nous, avec le gouvernement qui a fait ensemble, ça c'est les participations. Pour moi, c'est base développement pays. C'est ça que fait travail, moi, en vie, pidion, même si nous avons un coup de bâton, et nous avons un coup de bâton toujours. Nous faisons commencer pour un coup de bâton.